Israël, shalom. Premier bagay, a dit shalom à tout le monde, shalom pour fête. Betsalel, shalom, sister Irila, shalom prophète Malakai. N'a disant menu yo shalom. Et partager live là pour l'autre frère sœur nous yo, l'autre ami chrétien nous yo. Yo capable tande ça quoi dit là. Shalom Joab Ben Levi. On nous partager live là pour nous permettre que parole ça li aller bien loin dans dernier bout de la terre. Dans 2 minutes encore nous va démarrer. On nous partager. Raphaëlla, Bode Adi, Shalom, Elder. Je dis à nous parler de l'enlèvement. Est-ce que c'est la poussée dans le nom? Pour dans le ciel là, qui sa parole a dit tout ça? Salut prophète nous yo, prophète Malakai, nous saluons. Prophète Yamikaël, nous saluons. Et sister Raphaëlla, sister Irila, shalom. Shalom tout le monde, shalom sister Aouna Batlevi, Esclan, Castor, shalom. Et n'a pas demandé moun yo partager live là, nous pourrons commencer dans une minute. Nous pourrons parler de l'enlèvement. Qui sa parole là-bas a dit sous ça? Bode Mackinson Lubin. Shalom. 1 minute encore, nous démarrer. McDonald, on salue. Vous faites Nehemiah. Shalom. Ok, on démarre. Yot fois, nous dit tout le monde shalom. C'est un gros plaisir. Et bien, nous gagnons pour nous capables de rencontrer nous dans l'espace. Côté Abba, il y a une possibilité pour nous rencontrer, pour nous parler parole. Pendant quelques jours, nous pas capables de présenter et étude nous toujours présenter moi-même avec et prophète Yohanan. Alors, il y a une raison cause que je ne vais pas tourner sous lui et monde qui au sein de l'héritage de Jacob et frère McDonald et prophète Yvenel Laurent nous connaît pour qui raison. Donc, c'est Abaya qui met la vie. Donc, tout ça qui pas en bas volonté nous oblige à plier. C'est volonté Abaya qui a fait. Donc, nous dit louange pour lui. Mais je dis à Créateur Ali, ben nous possibilité pour nous capables retrouver nous dans espace ça côté que nous pourrions parler de enlèvement. Est-ce que véritablement n'a enlevé ou du moins l'Église a enlevé pour aller dans le ciel? Bien entendu, il y a une religion qui dit c'est 1000 ans nous pourrions passer comme vacances, il y a une autre religion qui dit c'est dans le ciel nous pourrions aller. Mais nous pourrions regarder qui ça parole Abaya lui dit. Ensemble avec moi c'est prophète Yohanan m'a dit shalom. Shalom shalom, me salue nous toutes et me salue prophète Barak. Shalom. Alors, on a démarré, on a dit que nous d'abord, et Bakata,
Bakata Abaya, Bashem Amashiach Yahawashai, Shema Israël Yahawah Elohenu Ahad, Shema Israël Yahawah Elohenu Yahawah Ahad. Merci tout le monde qui share live ça pour permettre l'autre ami qui peut qu'on réveille ou capable d'entendre tout ça qu'on dit là. Nous pas parler de l'enlèvement, j'en te dis là. Ça, nan même là son Bible. Bon, version ça. Ok, quittez ça. Ça, nan même là son Bible. Bib ça, m'a konnen si nous recevoir nous bien fois esclan et si nous recevoir nous écrit en bas live là. Écrit en bas live là fait nous konnen si voix nous sorti très bien. Ça c'est un biblié et d'homme dit il composé de Ancien et Nouveau Testament. Alors Ancien et Nouveau Testament ça qui constitue de Bible là, nous même israélites nous connaît. Il y a plus de livres que ça qui est dans la Bible. Par exemple, il fait connaître la Bible constituée de 66 livres. Mais nous-mêmes, nous connaissons plus que 66 livres. Il y a un livre apocryphe. Et c'est ça qui fait, nous avons une version ça, qui est Tobla, il y a tout le livre là-dedans. Ah, bien entendu, il n'y a pas un jubilé avec quelques livres, mais il y a une majorité de livres, Enoch, etc. Donc, livre ça, on nous dit c'est un ensemble. En dans ensemble, il y a sous-ensemble, ou du moins il y a plusieurs éléments en dans ensemble. Donc, il y a un élément qui n'a pas qu'à contredire l'autre élément qui est en dans ensemble. Il y a tout, il y a deux gains, ou du moins il y a deux convergés ou égards vers la même direction. Ça veut dire qui ça? Moïse n'a pas qu'à contredire Matthieu. Matthieu n'a pas qu'à contredire Apôtre Paul. Apôtre Paul n'a pas qu'à contredire Jérémie. Donc, il y a le même message qu'il a prêché. Donc, nous allons regarder la doctrine enlèvement. Est-ce que l'est biblique? Premier texte Israël, nous allons voir en dans parole Abaya concernant enlèvement. Nous allons aller dans Psaume 105, verset 9 à 11 pour nous capables commencer avec sujet nous. Psaume 105, verset 9 à 11. En nous garder. Qui sa parole Abaya dit. Shalom Israël. Psaume 105, verset 9. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Alliance que créateur li traité ou du moins li érigé avec Abraham non, et bien alliance ça li pral transformer sous forme de loi. Li pral transformer alliance ça sous forme de loi, li pral bayli à Timoun Jacob yo. Li pral bayli à Timoun Jacob yo, et bien à travers alliance ça li promet yo yon territoire. Ça veut dire que ça, s'il promet yon territoire, est-ce que tout d'un coup, promesse ça que le fait avec Abraham, et puis dans l'inier Abraham, est-ce que tout à coup le carité vous le changez? Donc, comme il dit, il érige en forme de loi, on a le nom Deutéronome 6 pour nous voir ça. Il dit, il érige alliance sous forme de loi, et puis il promet yon pays. Deuxième texte. Deutéronome 6. Deutéronome 6, verset 1er, on a commencé. Deutéronome chapitre 6, verset 1er. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel Yah, votre Elohé, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel Yah, ton Elohé, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Merci, Yohanan. Eh bien, alliance ça, l'érige sous forme de loi, et l'ibaili à travers Moïse pour petit, petit, petit Jacobio. Donc, c'est alliance dans ça. On va regarder qui l'a fait Abraham promesse là. Genèse 22, verset 17 et 18.
Ou après dans verset premier que nous sommes liés, il dit comme ça, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ça nous reconnaît, amis mio. Le nous lit, ça nous lit l'Ancien Testament, nous pas de yon côté que prophète yo, yo te annoncé, ou du moins dans Torah, yo te annoncé que nous t'apprends aller dans le ciel. Donc si yon pas de jam annoncé, nous prenons dans le ciel, côté ciel la sorti. Nous prenons dans le Nouveau Testament, yon petit temps encore pour nous, ouais, est-ce que c'est dans le ciel, texte yo dit véritablement nous prenons. J'en te dis au début, il y a une religion qui dit 1000 ans vacances, il y a l'autre religion qui dit au bras dans le ciel. On regarde qui ça va avoir là-bas. Genèse 22, verset 17 et 18. Genèse chapitre 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Déclaration ça, prophète Tazadak, frère Sainte Jérôme, que Abaya li fait à Abraham, non? Li pa di yo pour aller dans le ciel. Li dit la béni yo, la béni postérité Abraham, non? Abraham, Isaac, Jacob, Timon, 12 tribus, toute nation pral béni à travers postérité. Okay. J'en te dis là, pas aucun côté dans l'Ancien Testament après on dit nous pral faire 1000 ans dans le ciel là ou du moins nous pral aller pour nous vivre dans le ciel. Mais question ciel ça, qui côté le sorti? D'abord, nous pral regarder un premier texte moun yo toujours utilisé pour parler de ciel. Nous pral aller dans Jean 14 verset 1 à 3. Ça c'est un texte nos frères et sœurs qui sont encore dans le christianisme, utilise pour parler de ciel. En regarde qui ça dit. Jean 14. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Abaya et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit, je vais vous préparer. Vous, ça, Israël, avant de nous garder l'autre petit détail qui dit dans le texte, vous, ça représente qui est-ce? Il dit, je vais vous préparer une place. En allant dans Jean 1er, verset 31, pour nous, ouais, à qui est-ce? Texte à adresser. N'a pris deux textes pour nous prouver ça. Jean 1er, verset 31. Jean, chapitre 1er, verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. C'est afin qu'il fût manifesté à Israël. Ça, c'est Jean. Il dit pour Messie incapable de manifester à Israël. Il n'a pas dit manifester à tout le monde, non? Il n'a pas dit manifester à chrétien, non, il dit manifester à Israël. Ça, c'est le premier texte là. On nous regarde Jean 18, verset 20. Jean, chapitre 18, verset 20. Yahawasha lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Où est le texte là? Où est le texte là? L'île avec toute règle grammaticale qu'il a dans l'an, chaque son fini dit son oui. Exactement. Jean chapitre 18, verset 20. Yahawashai lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. Qui son oui après? Point virgule. Bon, point virgule après monde là. Continue. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple. Virgule. Virgule. Ça veut dire idée, phrase d'alpoko fini. Il continue. Parce que gon virgule. Où tous les juifs s'assemblent. Qui j'en où ça écrit? Au U accent grave. Ça veut dire côté tout juif yo réuni. Ça veut dire Jean, les gens écrit dans Jean 14. Mais si on dit comme ça, je vais, en retourne dans Jean 14, vous préparer une place.
l'a parlé avec juif yo, l'a parlé avec israélite yo. C'est vrai. Si nous voulons nous caler Jean 11 49 à 52 tout, mais nous pas parler. Jean 14. Jean 14 verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Abaya et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Vous, ça, représentez Juif, vous représentez Israélite. Israël. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, côté messien, c'est là, juif et israélite, yo à pied. Quand y a moun yo dit comme ça, pas gen Israël encore. Pour Abraham a fin dit, Abraham comme ça, m'a béni postérité ou là, m'a fait toute nation sur la terre béni à travers postérité ou là, et puis pour tout à coup, ou bien tout d'un coup, Abraham a arrêté de changer, il virer sous position, il pas béni postérité encore, il choisit tout le monde sur la terre. Ça n'a aucun sens. Quand y a l'a dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Place ça là, préparé à qui place lié? Apocalypse 21, verset 2. Apocalypse chapitre 21, verset 2. Apocalypse chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Abaya, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Qui ça? Préparé comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Préparé comme une épouse. Là, ou pas le en aller, m'a pli dans Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai, bah, m'a pli dans verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Li. Et, Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Abaya, la ville sainte. La nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse. Je vais vous préparer une place. Préparée comme une épouse. C'est la nouvelle Jérusalem qui l'a préparée. Fini. Qui s'est parée pour son époux. Nouvelle Jérusalem n'en descend, c'est ça le dit. Qui s'est parée pour son époux. Alléluia. C'est place. Ça. C'est pour place. J'en viens l'a préparée pour nous monter. Nous allons regarder toute texte. Et nous allons dans un Thessalonicien pour nous voir tout. Donc, il dit, il a préparé une place. Place, ça, c'est Nouvelle Jérusalem, non. C'est ça, il dit, il a préparé. Gon l'autre texte, moun yo toujours utilisé. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Nous parlons là dans tout à l'heure. Mais avant d'aller là-dedans, on a dans Matthieu 24. Matthieu 24, verset 3 et 5. Matthieu 24. Verset 3 à 5 de préférence. Matthieu, chapitre 24, verset 3 à 5. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Faut-y camper là. Notre texte a dit parler de avènement. Léo dit avènement. Quel sera le signe de ton avènement? Est-ce que avènement ça a parlé avènement messian? Est-ce que c'est premier si a venir prendre nous pour nous aller dans le ciel? Qui ça avènement veut dire? Israël. Léo dit avènement qui ça ça est? On garde la définition avènement après nous va finir texte là. Ça va gagner. Nous va regarder qui ça avènement signifie parce qu'elle dit il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous allons regarder qui ça avènement messian, qui ça avènement signifie. Lis pour nous. Nous allons définir pour nous avènement non masculin. Accession au trône. À la première partie, nous avons un exemple qui dit l'avènement de Louis XIV. Ça veut dire le mouté sous trône. Quand on a dit au monde perdit ma là, il passe là en l'autre, la mouté. Deux, dans ce figuré, arrivé, venu, début du règne, règne, on va le régner de quelque chose. Exemple, l'avènement de nouvel ordre social. Ou avènement avec ce au monde qui moutait. D'accord? Donc, le pouvoir. Là, on dit avènement, c'est pas premier si y a vienne prendre nous
pour aller dans le ciel. Là, nous regardons Matthieu 24, il a parlé de l'avènement. L'avènement du Fils de l'homme, ça ne veut pas dire c'est prendre la prendre pour aller de côté. Texte l'a dit, définition mot avènement, c'est un règne qui a commencé. Pour qui ça un règne a commencé? Qui ça Messie a te dit dans la prière que te dit disciple pour vous faire? Avant nous finir Matthieu 24 là, on aller dans Matthieu 6 pour nous garder qui ça te dit dans la prière Israël. On partage la live là pour nous yo attendre ça pour le dire là Israël. Matthieu chapitre 6 verset 9 et 10. On garde qui ça te dit disciple. Matthieu chapitre 6 et chaque jour nous souvent dit ça, nous prier chaque jour, nous va attendre je dis encore. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Règne Abaya. Règne Créateur. Règne Messie, il doit venir. Qui compte il doit venir? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire, même Jean, volonté Abba a fait dans le ciel là, c'est comme ça qu'elle doit faire sur la terre. Donc, règne là, c'est ça, mon avènement, je veux dire, début de yon règne, c'est commencement yon régime, c'est commencement yon nouveau système. Li. Et aussi, il est capable de paraître que ton avènement vienne. Exactement. Un règne avec des gouvernements, en gouvernance, il va gagner. Sous pas vle dit règnant et sous pas vle dit ou capable mettre avènement. Que ton royaume règne, royaume avènement, que royaume abaya royaume messie commence, c'est ça le dit. Là n'a prié pour nous dire, c'est pour règne papa, règne créateur a commencé à travers nous-mêmes. C'est ça mon avènement. On retourne dans Matthieu 24 kounya. Donc l'air parler de avènement, avènement pas veut dire il vient prendre nous dans l'autre côté. Avènement veut dire il vient, il relier côté il vient. On allait Matthieu 24 verset 3 à 5. On commence. Matthieu 24 verset 3 à 5. Il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ça veut dire qui signe commencement royaume ou qui signe commencement règne ou qui signe commencement régime ou c'est de ça la parler. Rive dans verset 5 là. Yahweh Shai. Pour grand plus mon cap garder là qui va connaître nous Jésus, le Jésus dans religion. Yahweh Shai leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il dit avant règne pas m'en commencer, c'est pour nous faire attention pour nous ne pas séduire nous. Grand pile qui a venu sous nom, il a séduit en pile moun. Ils séduiront beaucoup de gens. Nous connaissons les messieurs en fin mourir, ils montent la jeune papa. Dans 70, ils ont crasé Jérusalem, l'église catholique romaine. Prend naissance, même Romain ça qui t'a tué Pierre, qui t'a tué Messian, et bien ils ont inventé l'église catholique romaine. Ils ont fini de tuer et Pierre, qu'on y a joué un jour, ils ont fait après les Saint Pierre dans la religion. Alors que qui est-ce qui t'a tué Pierre par rapport avec, à cause de message que Pierre t'a prêché, ils ont même, nous songez, ils ont pris Pierre tête en bas, ils ont crucifié Pierre. Ils ont lapidé monsieur, c'est Rome qui fait tout comme ça, et c'est même Rome ça qui a inventé l'église catholique romaine qu'on y a fait après les Saint-Pierre. L'église catholique romaine ça fin fondé, protestantisme prend naissance en dedans yo encore. En dedans protestantisme là, baptiste pral vini, adventiste pral vini, témoin pral vini, méthodiste pral vini, même groupe moun yo. Et puis yo marché séduit moun tout partout sous la terre. Qui ça texte là te dit verset 5? Matthieu chapitre 24 verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Qu'on y a un bon faux messie. Et faux messie, ça, ben là, dans l'église catholique, nous, on a mis à genoux devant statue. Là, on finit mettre à genoux devant statue, on fait signe de la croix. On voit au bon cathédrale là. Il y a dit Marie ou c'est maman bon Dieu. Non, l'autre religion, qui ça, on fait, ils ont mis sous Livio. Yo mettel sou mayo, yo fè ti moun yo, habite yo ensemble avec ou gros pasteur yo, a fait grand exposé et puis c'est faux Jésus ça, y a utilisé. Donc c'est pour nous comprendre bien. N'après dans Matthieu 24 là, nous pour aller dans verset 11 à 13 Israël.
Matthieu chapitre 24, versets 11 à 13. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On comprend nos bagailles. Si nous pas l'enlever pour dans le ciel, gen des événements nous pas connaissez ça au prêcher. Mais pour qui ça dans verset 13 là, il dit parole ça, il dit pour nous. Mais Matthieu 24 verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comprends bien oui ingénieur James. Sister Wilna, Sister Gerland, moun qui persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Qui ça persévérer, belle dit mes amis? Persévérance. C'est les malgré difficultés, malgré haut, malgré bas, malgré problème, ou était là. Mais comment fait l'église yo dit n'a enlevé nous pas passer dans tribulation, nous pral dans ciel? Est-ce que Abraham t'a annoncé ça? Est-ce que Moïse, Jérémie, Esaïe? Est-ce que Malachie, Zacharie, Esdras, Néhémie? Est-ce que moun sa t'a annoncé nous t'a pral dans ciel pour 1000 ans ou du moins nous t'a pral vivre dans ciel? Donc il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. N'a prêté dans le même texte là. Nous prenons dans verset 36 à et 30. N'a fini verset 36 là d'abord. Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il dit pour ce qui est du jour et de l'heure. L'aide dit pour ce qui est du jour et de l'heure. Là, comprends bien Israël de qui ça l'a parlé. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. C'est-à-dire, jour messian, après retourner pour vite commencer le royaume lien, pour vite commencer le régime lien, pas de monde qui connaît. Verset 30 là, expliquer ça clair. Verset 30. Verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. En cap est là. Ça veut dire, le jour, moment la vie, pour venir établir, personne ne connaît. Mais comment il dit dans verset 30 là, où est-il encore pour nous? Verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, Léon dit Messie, la vie sur les nuées du ciel, là, mes amis. Est-ce que c'est la vie prend nous pour l'aller? Non. Qui ça nous saute avant ça? Nous, ouais, la vie commence au royaume, là. C'est ça, avènement, je dit. Commencement de son régime. Et c'est ça, dit dans la prière, là. Que ton règne vienne. Côté règne, ça doit venir, c'est sous la terre. Bon, si règne ça, Sister Marie-Jo, et si règne ça, c'est sous la terre. Dans verset 30, elle dit, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les lieux du ciel. C'est pas venir la vie prendre nous pour la laver nous. La vie sur les lieux du ciel pour venir relier sous terre. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les lieux du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Ou elle y a quoi pour nous bien entendre pour nous avancer? Matthieu chapitre 24, verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. En aller dans Apocalypse 1er, verset 7. Israël comprend. La Bible met toute bagaille d'aplomb pour nous. Apocalypse 1er, verset 7. Apocalypse, chapitre 1er, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Campez là. Matthieu dit ou comme ça? Pas bien, il dit son seul monsieur, pas bien, on qui contredit l'autre. Matthieu dit comme ça, dans verset 30 là, et elles verront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. La vini, pour venir commencer, il y a. Qui ça Jean dit dans Apocalypse 1er verset 7? Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. La vini,
venant, c'est parti présent lié. Venant, la vini pour venir commencer lié, pour venir commencer régime lié, royaume lié. La vini sous nuée yo. Mais est-ce que la vini sous nuée ça c'est prendre nous. Quand y a un gars de texte moun yo dit n'a pas enlevé vous elle pour se dans nous dans le ciel là. En allant un Thessalonicien. Et Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Abaya descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Texte là dit, n'a enlevé. Enlevé pour qui ça, lui? À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Lui dit, n'a enlevé à la rencontre du Seigneur. Matthieu, Jean, lui dit, mais si un lap vini, qu'on n'a pas dit qu'on s'en a enlevé à la rencontre de lui. Mais si nous pouvons aller à la rencontre de lui, nous ne pouvons pas tourner avec le côté de sortir. Nous rencontrer au monde. Et tant que nous avons maman ou bien papa, à la marché, à le travail. Les lap vini ou à le rencontrer à la rencontre. Ce n'est pas pour maman vini pour le retourner dans le marché avant. Ce n'est pas pour le retourner dans le travail ensemble avec vous. Ou à le rencontrer pour venir dans l'espace côté pour le réunir. Parce que nous sommes très clairement, texte dit nous qu'on a la vie établie le royaume lien sous la terre. Exactement. Réunion pour commencer sous la terre, c'est ça l'avènement, l'avènement du Fils de l'homme. Qu'on a l'air dit ensuite, lis pour nous, verset 17. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Qu'on a lundi n'a pas enlevé ça. Pour nous rencontrer avec la qui côté nous parler. La Bible pral met tout bagay d'aplomb. N'a rencontré Messie pour réel Messie capable de commencer sous la terre. Et nous pral oué ça Israël. Pas oublier, tout texte adressé à qui est adressé à Israël. En nous relis Matthieu 24, verset 30. N'a pas retourné sur Thessalonicien. Matthieu, chapitre 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Puissance ça, grande gloire ça ligue un côté le joigne. Parce que pas oublier, une dernière nation qui a autorité pour diriger la terre, nous connaissons Rome. Avec ses descendants. C'est ça, Daniel Teroué dans vision. Il y a un quatrième royaume qui est terrible. Et royaume, ça, il y a une autorité sur toute nation, toute tribu. Et mais royaume, ça, c'est pour royaume n'importe qui avec. C'est ça qui fait Messie, il y a une puissance avec gloire. Mais côté quoi, je dis, en allant Daniel 7, verset 13. Daniel, chapitre 7, verset 13. En comprenant mieux. Daniel chapitre 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici sur les nuées. Sur les nuées encore, Israël. Et voici sur les nuées des cieux. Arriva quelqu'un. Qui ça? Arriva quelqu'un. La vini. De semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Et on le fit approcher. L'avancée par contre ancien des jours, verset 14. Verset 14. On lui donna la domination. Ancien des jours après le bal domination. Li. La gloire. Et le règne. Qui ça le bali? Et le règne. Et le règne Israël. Mais si ancien des jours après mon Gédéon, s'il baille, mais si un règne. Règne ça pas qu'un ciel. Règne ça qui bolie c'est sous terre. C'est ça que dit nous pour nous dire dans prière nous. Notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Qui ça avait, m'en voulait dire, c'est le commencement de ton règne. Où est lui pour nous, verset 14. Daniel chapitre 7, verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne.
et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servir. Campez là, si tout peuple, si toute nation, si toute langue pral servir, mes amis, écoutez, c'est pas qu'à dans le ciel pour nous servir. Parce que Ray là, c'est sous la terre, Israël. Ray là, par l'autre côté, notre texte Thessaloniciens 4, là, c'est pas dans le ciel nous praler. Texte là dit à la rencontre de Yahawashai. Pour nous venir lier avec qui bon, qui côté sous la terre. Fini texte là, verset 14 là. Et les hommes de toute langue le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Règne n'est pas jamais fini. C'est de ça la parler Israël. Avènement pas veut dire prends nous rassembler nous pour nous aller. Il rassemble peuple lien qui t'est gaillé. On l'autre a présenté pour nous qui est-ce qui est élu ça ou la rassembler yo. Parce que c'est nous pour le régner sous peuple yo. Verset 27 là. Daniel chapitre 7, verset 18 et 27. Daniel chapitre 7, verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Campé là oui. Dans verset 13 à 14, il dit ancien des jours, li bal domination. Les anciens des jours bal domination, rélié pour commencer sur toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Li pas jamais parler, Daniel pas parler de ciel. Et nous connaissons prophétie Daniel là, Babylone accompli déjà. Exactement. Mais Perse accompli déjà. Grèce accompli déjà. Et Rome, c'est sous Rome nous y est là jusqu'à présent. Mais quand ciel ça sorti, ciel ça c'est un esclavage Israël yo banoul. Un esclavage puis on fait un travail puis on fait un prévé en ciel. Exactement. Quand y a verset 13 à 14, il dit ré là pour le faire sous la terre côté pour le régner sous toute nation, toute langue, tout peuple. Quand y a ré ça, qui est-ce qui va diriger dans ré ça? Pas bien de dire il t'a rassemblé moun pal yo. Lis pour nous. Daniel chapitre 7, verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. La baie royaume, non? D'éternité en éternité, pas dans le ciel. Lis verset 27 là. Daniel chapitre 7, verset 27. Le règne. Même mot encore. La domination. Et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Tout le monde qui t'a dominé, il va servir royaume saint. C'est ça texte là dit. Pas du ciel dans cause. Pas de ciel non causé. Nous toujours dans nous dit nous ancien testament écrit dans hébreu mais nouveau testament écrit dans grec et puis araméen. C'est des bagages monsieur raconté par rapport avec messie vécu messie yo raconté yo dit mais qui ça fait mais monsieur prophète yo pas venir avec on l'autre prophétie qui contredit ça que t'a annoncé dans ancien testament nous pral vivre dans ciel et pas ça que t'a parlé ciel là c'est là ciel là. Comprenez bien Israël. On continue à nous parler dans Luc 21, verset 27. Luc chapitre 21, verset 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Nous tendons l'abvini. Nous sommes qui est-ce qui bat gloire, qui est-ce qui bat puissance, non? C'est ancien des jours. L'abvini pour le vin fait qui ça? Pour venir établir le royaume pas là. Et c'est ça que fait dans acte 1er. Verset 6. Il te dit une conversation ça avec disciples. Acte chapitre 1er. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Royaume Israël, là, c'est réel. Et ça qui fait dans la prière, là, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Même j'en fait dans le ciel, là, il prend fait sur la terre à travers Seigneur qui c'est Israël. En analogie. En ciel, là, pour le faire sur terre. Exactement. On allait dans Marc 13, verset 26.
Matthieu chapitre 13. Comprenez bien mes amis, Rome, c'est Rome, l'église catholique romaine, c'est moun sa qui invente toute religion, toute tissu, adventiste, baptiste et moun catholique. Moun sa yo, c'est eux même qui tue Pierre, c'est eux même qui tue Pifo Disipio, c'est eux même qui tue Messie. C'est moun sa yo qui mette nous dans l'esclavage. Et puis moun sa yo encore bon Dieu par révélation, yo dit yo canonise et Disipio. Et puis c'est moun sa yo Israël qui connaît nous même si nèg noue, yo rele nous tête graine, yo dit nous sorti dans macaque. Yo connaît gon promesse qui dit pour nous vivre dans ciel même côté avec eux et dans ciel ça. Y a bien même droit ensemble avec moi avant. Et puis, yon vin annonce nous ça à travers Adventiste Baptiste Catholique. Yon pas d'ab jem vin annonce cause ça à Israël. C'est Bill Gates. C'est, comment on a qui gen gros l'argent yo? Elon. Oui, c'est moun gros l'argent seulement. Yon tap koun bagage yon sa. Et c'est yon tap kal la dans lui. Nous, elle n'a yon appelé le fait expérience. Yon puis, yon kal la lui. Yon kasse si, yon kasse la. Koun yon ou même, yon tap koun ou pal vivre dans le ciel. Et puis, yon tap vin pote bagage sa ba ou. C'est ou. Vrai l'évangile là, et ça, vous ne pouvez pas comprendre. Vrai l'évangile là, vous cachez, parce que vrai l'évangile là, il y a aller à leur rencontre. Il pas dans faveur. Vous cachez vrai l'évangile là. On allait. Marc 13, verset 26. Marc, chapitre 13, verset 26. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Même bagaille. Matthieu 25, verset 31. Matthieu 25. Comprends-moi, Achabia. Comprends-moi, Jude, Lilsi. Moun yo changé prophétie nan men nou. Et puis, yo ban nou paquet de bagay tête en bas. On allez. Matthieu, chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. L'Elvini qui bo la chita, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Mon Sylvini la vin chita sous trône gloire. Li c'est pas qu'à dans ciel encore parce qu'elle quitte quitter ciel là, li vini sous la terre. C'est ça le dit. Li vini sur le trône de sa gloire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, la vini. Li verset 32. Ya. Verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, entre guillemets cabri, pour créole là. Il n'y a pas venu prendre nous pour nous dans le ciel. Il n'y a pas venu prendre nous Israël pour nous dans le ciel. Parce que qui ça doit comprendre? Créateur va jamais promettre des choses comme ça. Il a changé le nom maintenant. On y a de qui ça créateur te promet. Esaïe 9, verset 6 et 7. Nous prenons les rabbits parce qu'il faut nous regarder des deux. La prend une, l'autre la prête. Nous allons regarder qui ça s'est parlé. Esaïe 9, verset 6. 6 et 9. Esaïe, chapitre 6, verset 6. Esaïe 9. De 5 plutôt. Esaïe 9. Esaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Père éternel, prince de la paix, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Esaïe dit qu'on s'attimoun ça, la vie de bail, yon paix sans fin à trône David là. Donc si Esaïe a annoncé ça, mes amis, Jean avec Baron et Paul, pas qu'à venir pour yon dire c'est dans le ciel. Pas de question ciel dans la cause. Donner à l'empire de l'accroissement. Hein? Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. On a le Michel 5, verset 2 à 4 pour nous. Ouais, si Michel pas dit même bagaille là. Michel pas dit même bagaille là à Israël. Michel chapitre 5, verset 2 à 4. Michel chapitre 5, verset 2 à 4. C'est pourquoi. Il les livrera jusqu'au temps où offre. Prends le verset premier. Michée, chapitre 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça veut dire, mais si on dit pour quelqu'un pour le dominer ce qui est sous Israël, lit. Verset 2, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera
celle qui doit enfanter Myriam et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Qui ouais, vous donnez ça dit la gouverner, c'est pas dans le ciel libre à gouverner. Ni l'enfer, ni paradis, tout bagaille, c'est là et Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Eloé, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Nous donnez ça, Michel dit, c'est ça, Michel dit, si moun sa la vie fait, le dernier verset. Verset 4, c'est lui qui ramènera la paix lorsque la Syrie viendra dans notre pays. Et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever comme lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Dans Esaïe 9, là, il te dit, donnez à l'empire de l'accroissement et une personne fait au trône de David. Ton David là, pas dans le ciel. Ton David là, c'est sous l'atelier. C'est ça, le dit. Quand on retourne dans Matthieu 24, là, nous allons dans 36 à 41. Matthieu, chapitre 24. Versets 36 à 41. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Campé là. L'indice ça qui est arrivé dans le temps de Noé, c'est même pas qu'elle a arrivé dans l'avènement. Avènement qui ça lié, nous sommes montrés qui ça avènement. C'est-à-dire, même pas qu'elle a privé les règles, mais si on peut commencer. C'est ça la parler. À l'avènement, tout mettre ça dans la tête, nous, Israël. Avènement veut dire commencement yon règne. Commencement yon régime, commencement yon royaume. Et il fait une analogie. Oui, verset 37 là, il fait une analogie. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On nous garde qui ça qui est arrivé dans le temps de Noé en verset 38 là. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Lis verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jusqu'à ce que le déluge l'en vienne dit emporter. Emporter, ça veut dire ou aller ou mourir ou pas exister encore, yo touye ou. En même temps, c'est même bagay là, le Messie a vienne commencer réli. Si Messie a vienne commencer réli, sou enlevé ou pas dans réel là, non. Ça veut dire mou ou mourir, touye ou touye ou. Comprenez Israël. Il dit même ça que tu es arrivé dans ton oreille, c'est ça qui a privé. Recherchez définition avènement pour moi encore, pour moun yo bien comprendre qui ça avènement yé. Avènement nous sot dit n'a vrai dit c'est un règne qui a commencé. Et bien il dit cherchez définition avènement pour nous, lire pour nous. Avènement, accession au trône, accession au trône, OK? Dans sens figuré arrivé, venu, début du règne, commencement du règne. Nous mettre faire même exercice là si nous voulez. Qu'on y en retourner dans Bible là dans verset 39 là. Avènement c'est règne commencé, ça veut dire moun déluge n'a été emporté, c'est moun qui mouri. En bien, dans ça, nous parlons, là, tout moun qui enlevé, c'est moun qui pape dans le rey là. C'est moun qui mouri qui pape là. En allez. Et Matthieu 24, verset 39. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien. Ça veut dire, dans ton nom, il y a moun yon pas douté de rien, il y a pris plaisir, il y a maillé, ça nous est passé de yon. Maillage sucré, l'eau, maillage épaule cassé. C'est immoralité, c'était seulement qu'a fait. Yo pas douter rien et puis a ben après tout yo youn après l'autre. Li pou tande. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire les règne si pour commencer, c'est même bagaille là qui pour passer pour monde qui pour mourir yo. Li verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De pour pris, c'est mourou mourir Israël. Sacré Théa, c'est lui-même qui était pour avènement. C'est lui-même qui était pour règne Messie. C'est lui-même qui était pour régime Messie capable de commencer. Le sera pris, déluge l'emporte, yo tuyo, Messie en tuyo, l'autre laissé. Sacré Théa, c'est lui-même qui te dit, dans verset 13 là, retournez dans verset 13 là pour nous rapide. Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sacré Dieu, c'est lui-même qui doit persévérer jusqu'à la fin. On allait dans verset 41, Israël. Matthieu chapitre 24, verset 41. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Sac prise, là, c'est ça, au tuer. Ma quoi, n'a rien, mais mourir Israël pour nous participer dans l'enlèvement, ça. Yo dit enlèvement fait en secret, ou pas qu'on et gado atterri dans le ciel. Menti. L'une sera prise, l'autre laissée. Verset 41. Verset 41. Verset 40, non? Verset 40. Verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Sac priant, c'est ça qui tuer, à qui mourir. Sac laissé, c'est ça qui était pour avènement. C'est lui-même qui doit persévérer jusqu'à la fin, Israël. Ainsi sera-t-il sauvé. Mais parole, ça, nous est Messie. Libye disciple, concernant établissement royaume lien, établissement réélien, que ton règne vienne. C'est ça. Et où elle prale? L'idée dit, mais comment vous nous priez? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. C'est pas dans le ciel. Bagay ça, au chien mon désir, l'igon côté elle te parle. Et côté ça elle te parle, hein? Moun christianisio, les m'a parlé de moun christianisio, nous haïtiens, jamaïcains, capouin pour Dieu c'est chrétien, moun pas chrétien, y'a pas contre qui est sûr. Les m'a parlé de moun christianisio, m'a parlé de vrais christianisio, qui c'est bon européen, parce que yo fait religion, yo pote le bon nom. Moun sa yo retire ou paquet livre. Et livre sa yo retire yo, livre sa yo se vanne yo avec faux doctrine yo. Kon y a en algar des paroles sa ki kote l'te déjà dit, qui fait que Messie li vin répéter paroles sa. Nous prale nan deuxième livre Esdras la, yon moun ki gen tob la, nan prale nan quatrième Esdras. C'est deuxième livre Esdras, chapitre 13. Nous allons commencer dans verset 13 à continuer. De Esdras, chapitre 13, verset 13 à continuer. S'approchait de lui des visages, bon, verset 12 là. Après cela, je vis l'homme lui-même descendre de la montagne et appeler à lui une autre multitude pacifique. Alors, dans le verset précédent, l'homme s'est parlé de Messie, mais nous ne parlons pas tout d'un sous ça. En avancé. S'approchaient de lui des visages innombrables. Certains hommes se réjouissaient, d'autres s'attristaient. Quelques-uns étaient enchaînés, quelques hommes en apportaient d'autres en offrande. Mm-hmm. Quant à moi, je fus tiré de mon sommeil sous l'effet d'une grande frayeur. Je priai le Très-Haut. Toi, au commencement, tu as montré ces merveilles à ton serviteur et tu as jugé ma prière digne d'être accueillie. Tendez bien, oui, brother Clinton. Ça quoi elle dit entre Esdras avec messager à lui. Maintenant, montre-moi encore l'interprétation de ce songe. Esdras, gombagay li besoin comprendre. Li. Autant que j'en juge par mon intelligence, malheur à ceux qui ont été laissés sur terre. Ça c'est Esdras qui a parlé selon compréhension par Esdras. C'est le compréhension par Esdras qui dit autant, libounou, autant. Autant que j'en juge par mon intelligence, malheur à ceux qui ont été laissés sur terre en ces jours-là. Esdras dit, c'est le compréhension par malheur à moun qui était yo, li. Et malheur plus encore à ceux qui n'ont pas été laissés. Mais il dit qu'il y a plus malheur toujours à moun qui pas traité yo. Ça c'est Esdras qui a parlé, c'est le compréhension. On allait toujours. Car ceux qui n'ont pas été laissés seront tristes. Il dit, moun qui pas laissé, moun qui enlevé, y a triste. On allait. Esdras a parlé selon beaucoup prenni. On allait. Comprenant ce qui a été mis en réserve pour les derniers jours et n'y accédant pas. Ça veut dire, moun qui pas laissé, pas accéder à ça qui s'est préparé pour les derniers jours. Esdras a pas compréhension, parle. Li. Mais malheur à ceux aussi qui ont été laissés. Esdras dit malheur à moun qui étaient tout moun yo pas enlevé dans Matthieu 24 là. Car ils verront de grands dangers et de nombreuses adversités. Pabli en verset 13, Matthieu 24 là, il te dit persévérer jusqu'à la fin. Quand y a Esdras dit selon compréhension, moun qui étaient il y a près de grands dangers, de nombreuses adversités. Esdras continue à parler. Comme le montre ses songes. Verset 20. Toutefois, il vaut mieux y parvenir de façon périlleuse. Ça, c'est Esdras qui dit ça, oui. Le plus important, si nous t'a fait traverser ça, gros parcours ça de manière périlleuse, c'est-à-dire en pile problème, li. Que de s'en aller comme un nuage. Ça veut dire, moun qui enlevé yo, yo allé, yo mouri, li. Que de s'en aller hors,
que de s'en aller comme un nuage hors du monde et ne pas voir ce qui arrivera au dernier temps. Ça veut dire moun ki enlevé c'est moun yo tué. Esdras ka parler toujours, continue li. Il me répondit. On y a malak la messager a li répond Esdras qui va dire Esdras mais qui ça bagay la li. Il me répondit, je te dirai l'interprétation de la vision et je lèverai aussi le voile pour toi sur ce dont tu as parlé. OK, qu'on y a parlé répond Esdras. Qui ça dit Esdras li? Ce que tu as dit concernant ceux qui ont été laissés et ceux qui n'ont pas été laissés. En voici l'interprétation. Mais interprétation, Esdras, li. Celui qui apportera le danger en ce temps-là. Ça veut dire, mais si on te recevra domination, qui te recevra pouvoir, c'est lui qui parle pour le danger, li. Gardera ceux qui seront tombés dans le danger. Moun qui était, l'a gardé, l'a protégé, li. Mais qui ont des œuvres et ont foi dans le très vaillant. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sache donc que ceux qui ont été laissés sont plus heureux que ceux qui sont morts. Moun ki laissé yo plus heureux que moun ki mouri yo. Tout moun ki enlevé yo, c'est moun ki mouri. De pou enlevo pa dans bataille. Ou li verset a pou nou encore. Verset 24 de Esdras chapitre 13 verset 24. Sache donc que ceux qui ont été laissés sont plus heureux que ceux qui sont morts. Telle est l'interprétation de la vision, tu as vu un homme monter du cœur de la mer. Verset 26. Ça veut dire, Israël, dépou, enlevé ou mourir. Pas gagné Milan. Nous allons attaquer Milan rapide là pour nous finir parce que nous finissons à 4 heures. Pas gagné question enlevé à l'ancien. En allant Apocalypse 21, rapide pour nous, parce que la religion qui dit nous allons faire Milan dans ciel là, il y a Marie Satan. En regardant pour nous, c'est ça texte là dit. Okay. Apocalypse chapitre 20 verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange. Tambe là. Israël cap suivre là. Qui bon ciel la sorti? Et pas ciel là non, qui bon ange la sorti, dis pour nous. Puis je vis descendre du ciel un ange. Je vis descendre du ciel un ange. S'il vous plaît, nous ka écrit en bas live là. Qui côté ange la sorti? Ouais, li pour moun yo tande. Apocalypse chapitre 20 verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Zange n'en sorti dans le ciel là, li vin sous la terre. Li gen yon clé nan men. Qui ça le pral fait? Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Merci, Jean Bouloup. Donc, li marre Satan. Really, encore, qui ça, il séduit? Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Li marre Satan pour 1000 ans. Nous voyons si il y a 1000 ans dans le ciel, la vraie. Si vacances là, c'est vacances 1000 ans dans le ciel. Li marre Satan pour 1000 ans. Li. Verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Campé là, il dit comme ça, afin qu'il ne séduise plus les nations. Donc, si n'a pas dans le ciel, pour qui ça, ange l'an vient marrer Satan, pour le passer du nation, yo? Pour qui ça? Pour qui ça, mes amis? Nation, yo, a sous la terre. Qui ça, nation, a fait pour nous pendant la période bilan, ça? Parce que lui dit comme ça, il, afin. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Tendez, bouchon, Jefferson. Li marre Satan pour Satan passer du nation, jusqu'à ce que 1000 ans l'y accompli, prophète Malakai. Donc, s'il dit jusqu'à ce que 1000 ans accompli pour le passer du nation, bon travail qu'a fait pendant 1000 ans. En allant Isaïe 60. Isaïe 60. Commencez dans verset 10. On y a de qui ça a fait dans 1000 ans. Esaïe chapitre 60, verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Nation, yon pral travail pour nous pendant 1000 ans. Li oblige marre esprit, ya qui c'est Satan qui t'a séduit, yo. Li verset 11 et 12 dans Esaïe 60 là. Esaïe 60, verset 11 et 12. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit.
afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et le roi avec leur suite. Alain et Apocalypse 21 pour nous. Tendez ça, dit oui. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. C'est ça fait texte là dans Apocalypse 20, il marre esprit hein, pour esprit en passer du nation. Qui ça nation va faire? Nation va travailler pour nous pendant 1000 ans parce que pendant 30 négri à nous travailler pour eux et c'est ça qui fait de abaya yon abaya de justice. Alléluia. C'est ça qui fait Christian Isab dit Dieu par contre de qui Dieu a parlé, Dieu son Dieu qui juste. Il son Dieu qui bail justice. Et mes nations pour travailler pour nous pendant une période 1000 ans. Lis pour nous Apocalypse 21 verset 12. Apocalypse chapitre 21 verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et aux portes 12 anges et des noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Et c'est ça dit dans Ésaïe 60, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. 12 portes, chaque porte yo gen yon ange et sous chaque porte yo écrit non yon tribu. Nation pour travailler pour nous pendant une période de 1000 ans. Ésaïe 60 verset 12. Ésaïe chapitre 60 verset 12. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Nation qui pas travailler pour nous, Abba dit, l'a exterminé parce que yo pas gen esprit Satan qui séduit encore. Esprit Satan Abaya Marel, en retourne dans l'Apocalypse 21, puisque l'esprit Satan Marel, il peut casser du nation, le reprend verset 4 là. Apocalypse 20, 20 verset. Afin qu'il ne séduise plus les nations. Apocalypse 20, verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Nous donnez. Descendre dans verset 7. Apocalypse chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, 1000 ans de justice, ça veut dire 1000 ans au travail pour nous, l'elfine accompli, lui, Satan sera relâché de sa prison. Esprit en relâché, lui. Et il sortira pour séduire les nations. Pour n'y avoir pas séduire les nations, yo, puis on vient faire la guerre. Qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Et mais c'est là tout. Abaya, à travers Yahweh, qui se messie, il pourra le détruire. Il dit détruire. Pas de grande puissance encore sous la terre. Pas de. Et donc, même nous connaissons la plaque. Li. Mais la Chine pas de Gola, mais encore. Retourne dans Apocalypse, et chapitre 19, verset 19 et 20. Apocalypse, chapitre 19, verset 19. Verset 19 seulement. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son arme. Ils rassemblaient pour venir faire la guerre. Et c'est là tout, et boule du feu pour le consommer dans Apocalypse 20 et 21, verset 8 là. Apocalypse 20, verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel. Un feu descendit du ciel. Et les dévora. La dévoré. Et donc, pape existe encore. Et puis, pape, la Chine, pape, gen golame, la Russie, pape, gen golame, faux juifs, pape, gen golame, c'est nous pour la puissance sous la terre. Pape, lié. Les nations dans la guerre, par exemple, et donc, dit dans nous clair sous ça. Et donc, pas existant encore. Mais l'autre nation est dans la guerre, pas tout le monde qui est dans la guerre. Si reste ça qui le rester, après le faire attacher à nous-mêmes, et ça qui fait dire dans les années 56, nation a attaché à nous-mêmes pour servir nous. Donc, 1000 ans la palais, c'est 1000 ans sous la terre, c'est 1000 ans de justice pour ça qui a été fait nous. On a pris deux textes pour nous finir. Deux textes pour nous finir. Apocalypse 13, verset 9 et 10, et puis Ésaïe 60. 6 verset 22. Apocalypse, chapitre 13, verset 9 et 10. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. 1000 ans.
Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Un feu descendu du ciel les dévora. C'est ça qu'a parlé. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. M'obliger les textes encore, Apocalypse 14, verset 12, avant l'Ésaïe 66. Exactement. Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Abaya et la foi de Amashia. Nous donner persévérer jusqu'à la fin. Pas de question dans le ciel, bagay sa ou se bluff yo ban nou pour yo tromper nous. Vrai l'évangile là qui parle en faveur yo, yo cache l, yo retire livre, yo retire livre et puis yo même encore vinn en bonne petite religion qui a tromper nous, bonne faux prophète qui a tromper nous, yo diviser nous une avec l'autre. Qu'on a qui côté pour habiter Ésaïe 66 verset 22. Ésaïe chapitre 66 verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel Yah, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Verset 23. Verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel Yah. Tout mon être pral vin adorer Créateur. Et c'est nous-mêmes Israël qu'on y a pral dire, pral montrer comment pour servir Abba Noah, Isaïe 2 pour nous finir vraiment, pour nous montrer comment pour servir Abba Noah, c'est ça li pral lié. Pas gagner à vivre dans le ciel, si nous t'as rêvé, ouais, zèle poussé dans de nous, nous mettre suspendre rêvé. À partir de aujourd'hui, rêve ça nous mettre campé, retourner vini, c'est nous qui peuple là, toute promesse que c'est pour nous. Et puis dernier texte là pour nous finir. Isaïe chapitre 2. Prophétie d'Isaïe, fils d'Amos sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel Yah sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel Yah, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel Yah. Il sera le juge des nations, l'arbitre de grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaux et de leurs flances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Nous donnez ça dit, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre parce que Yahwach habitant détruit toute puissance moun sa yo, et d'homme l'a éliminé d'homme, et reste sa kapreté yo, yo pap gen force encore, vite krasé yo plat, kon yon se dégage yo, puis yo vin servi nous à travers, vin servi à banon à travers nous même li. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Qui est-ce qui va prendre la guerre? C'est d'homme qui va prendre nous la guerre. Bagay san bal fin avec, et nous pral chef la terre. Alléluia. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel Yah. Alléluia, prophétesse Adassa Mounio, pour que j'aime comprendre ça qu'a fait là. Donc, n'attendons-nous, j'en ai toujours dit ça. Mouvement, c'est héritage de Jacob lié. Nous sous Facebook, nous sous YouTube, venez nous dans un gros mouvement, ça qui est prophète Daniel, apôtre Timothée, toute équipe, la prophétesse Adassa. Venez nous dans un gros mouvement, ça Israël, pour nous réveiller, peuple nous, son seul peuple nous. Et l'un dit nous, son seul peuple là. Les mrelo frère, mrelo sœur, c'est pas frère sœur en Jésus. Nous c'est frère ou c'est sœur, c'est parce que nous avons sang Jacob qui a coulé dans vin nous. En région nous dans gros mouvement ça, héritage de Jacob. Donc nous comprenons que ceci là son bluff lié à Israël. Donc nous espérons n'a aider l'autre frère sœur nous qui sont encore dans le christianisme capable comprendre vérité ça. Pour te présenter une belle étude ça, c'était ensemble avec moi. Yohanan ben Levi, Shalom Israël. Et puis nous pam c'est Barak ben Levi. Nous dit tout le monde, shalom, retiens bas protection créateur noir.